Oh, ils étaient deux sur moi, je vois pas ce que j'aurais pu faire. Je suis dégoûté. Tu es le Léon que tu penses être. Premier kill. Abiron commence brûler et chiller. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau concept, on va jouer à Brawl Stars, un jeu que j'affectionne particulièrement. Ce qui va donc dire qu'on va jouer plusieurs brawlers. Et sur chaque brawler sur lequel je ne ferai pas top 1, je vais devoir inventer un skin en le dessinant. C'est un challenge assez compliqué, mais on va voir ce que ça peut donner. Les amis, c'est parti tout simplement pour la première game. Et comme vous pouvez le voir, on va prendre Korbach. C'est mon brawler préféré, j'ai tout, j'ai l'hypercharge, j'ai les gadgets, les power stars. C'est parti, on lance. Je pense que je vais aller chercher soit les caisses du bas, soit celles du mid. Mais en bas, en fait, ça va être risqué parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a spawn ici. Ouais, je vais d'abord aller checker les bush. Et si jamais il y a personne, on pourra... Il y avait personne, ok. Il y avait personne, mais le Dina, je pense qu'il peut me mettre... Voilà, c'était sûr. Dina, il me rassure pas du tout. Hein. C'était pas passé loin sur celui-ci. Il en a dépensé 3 maintenant. Soit il a plus de gadgets, soit il lui en reste 1. Ah, il lui en reste 1. Ok, c'est bon. Voilà. Premier kill de la game, et je repars avec 3 caisses. C'est super rentable. Il a voulu faire le fou avec moi, je sais pas pourquoi. Enfin, il aurait juste pu prendre quelques caisses et partir à la limite. Alors, mon iPad, des fois, fait des micro-lags, donc c'est normal si j'arrête d'avancer. Ça devrait pas trop pénaliser. N'hésitez pas à liker la vidéo, d'ailleurs, si vous appréciez. Ça me ferait super plaisir. Le Surge, il est mort. Piper, elle a voulu me test. Je peux limite lui sauter dessus, la Piper. Voilà, deuxième kill, et je me mets vraiment bien à 6 caisses. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On va checker. Le Angelo duo qui peut être vraiment dangereux. Les gars, je parle comme si j'étais un joueur e-sport, alors que je suis vraiment gaze, hein. Je suis un amateur. Enfin, il y a une troisième personne, elle est où? Ouais, faut que je fasse gaffe à ce qui me touche pas, parce que même s'il a deux, un tir chargé d'Angelo, ça pardonne pas. Hein. Hop. Tac, je vais pas le laisser remonter, lui. Parce que même ricochet, il fait quand même des gros dégâts. J'ai bientôt l'hypercharge, et je suis en 1v1. Pff, normalement, ça devrait le faire. Il ne sait pas qu'il a le GOAT en face de lui. J'ai rien dit. Ciao, bello. Premier top 1, ça fera pas de skin sur Korbach. Et pour cette deuxième game, les amis, on va tout simplement prendre Stu. Je pense que personne ne peut me test. Je suis littéralement le meilleur Stu de France. Ouais, j'hésite à aller prendre les caisses du haut. Ici, il y a toujours un mec qui est tapis, qui me fume. C'est pas une situation que j'aime bien. Donc, je vais d'abord aller gratter au mid. Comme ça, je reviendrai plus safe avec une ou deux caisses. Ouais, il doit y avoir quelqu'un ici, quand même, je pense. Je sais pas si c'est une game de gros campeurs, parce que je vois personne. Ok, premier brawler, c'est Angelo. Et on va le suivre, directement. Quand je dis que Angelo, ça ne pardonne pas, tu te prends un tir, c'est fini. Après, il peut t'enchaîner, t'es mort. Là, ça va. J'allais dire là, ça va, parce qu'il a pas sa zone de poison, mais non, il était juste nul, en fait. Si tu vois la vidéo, force à toi. En tout cas, tu m'as bien aidé pour que je fasse top 1, donc merci beaucoup. Tac. Le Surge, on va aller le péter. Hein. Wow. J'ai été con parce que j'aurais limite pu partir en ulti. C'était risqué, lui qui a essayé de m'avoir. S'il avait la portée, je serais mort. Faut pas le laisser venir, voilà. Deuxième kill, il me semble. Ouais, deuxième. Hop, le Gael, tac, on va slide. Je suis en top 4, faut pas que je fasse encore le fou. Le Gael qui a pris vraiment cher. Mais l'Anita... Ok, le Gael qui est mort. On va récupérer les caisses et l'Anita ne peut rien faire. Elle est coincée. Elle est coincée. N'hésitez pas à liker la vidéo juste pour cette game. Et à commenter c'est qui votre brawler préféré personnellement. J'aimerais bien savoir, je suis vraiment curieux parce que... sur la tonne de persos qu'il y a maintenant dans le jeu... Non. Oh, je suis dégoûté. Bon, on va faire un skin sur Stu. On se retrouve pour le dessin. Et hop, c'est parti. Et les amis, tenez-vous bien parce que je vous prépare une masterclass. J'ai passé de longues minutes à chercher une idée. Puis là, je me suis dit, mais attends, il y a quoi au cinéma en ce moment? Parce que tu connais, il faut surfer sur l'actualité. Donc j'ai regardé le programme cinéma et là, j'ai vu l'affiche de Moi Moche et Méchant 4. Et j'ai vu que bah, le mignon, c'était un cyclope. Parce que pour vous expliquer, au début, j'avais recherché dans la mythologie grecque mes inspirations au niveau du cyclope. Justement, une idée qui me plaisait pas mal parce que moi, je suis fan de mythologie. Mais je trouvais que le mignon collait beaucoup mieux au brawler. Parce que le brawler Stu, bah, il a qu'un œil. Et le fait qu'il porte une cape se mariait plutôt bien au mignon. J'avais plus qu'à le remplacer par
par l'écharpe de Gru et le contour de l'œil de Stu que je remplace par la lunette. Donc voilà, plein de petits détails comme ça qui font que je suis super content de mon crossover. Même si j'ai perdu la game alors que j'aurais kiffé faire top 1 parce que c'est un de mes mains. Et voilà donc pour le premier skin de cette vidéo, spoiler alerte, il n'y aura pas que lui. Et nous on enchaîne sur la prochaine game. Pour cette game mes amis, la troisième, on va prendre un brawler que j'adore, Léon. Et vous voyez, j'ai le skin or, je suis vraiment un gros flexeur. Et sa lance, on est en bas au milieu. C'est un spawn que j'aime bien parce qu'il y a des caisses. Il y a des caisses, on a directement accès au mid. Alors par contre, soit c'est mon instinct, soit je me fais encercler. En plus, il y a un autre Léon. Il a un skin de fou. Je le touche. Et ouais, mon gars, tu sais pas c'est qui le meilleur Léon de nous deux. Ok, j'ai un 10, c'est toi le meilleur Léon. Tu es le Léon que tu penses être. Par contre, je ne vais pas te laisser t'enfuir. En plus, s'il peut cramer des gadgets, moi, ça m'arrange. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'en faisant le fou comme ça, je vais me faire karma. Je vais essayer de pas trop lever les yeux. Il est juste au-dessus, en plus. Ce fou de la gare. Il a son ult. Moi, je vais partir. Je vais aller chercher la Colette. Non, trop tôt. Je vais me faire totalement fumer, là. C'est ma mort. C'est ma fin. J'ai mon ult. On va partir par là. Hein. Non, il me préchote entièrement, je suis nul. Y'a que le search que je peux aller chercher la Colette, je peux rien faire. Et là, il se régène trop. Hein. Ils étaient deux sur moi, je vois pas ce que j'aurais pu faire. C'est parti pour inventer un skin de Léon. Et cette fois, vraiment un contre-cœur parce que cette game, je pouvais la gagner. Je pense que je me suis mal déplacé. Mais vous commencez à me connaître, les gars, je vais vous cook ça. Sur celui-ci, j'ai placé mon inspiration du côté de la mythologie et d'un certain héros. Mais est-ce que ce sera le dernier skin de la vidéo? On verra ça. Et j'ai plein d'idées de projets en tête de vidéos, donc si t'aimes les bangers comme ça, n'hésite pas à liker. Et merci tout simplement, vous êtes trop stylés. Pour pimenter les choses par rapport au premier skin, cette fois, j'ai rajouté un décor. Comme si Léon sautait directement sur la map. Famine ou festin, bien sûr, c'est ma préférée. Elle est trop bien, je me souviens des nuits blanches que j'ai passées dessus à essayer de rush mon premier rang 30, et au final ça a été BA. Bon maintenant j'en ai 6, ouais c'est vrai je suis trop fort. J'ai une question pour vous, qu'est-ce que vous pensez du jeu actuellement? Parce que là il est au prime de sa popularité, et personnellement je suis fan, c'est le jeu auquel je joue. Après faut dire que je l'ai jamais vraiment lâché, j'ai juste fait des pauses de 1 ou 2 mois. Et voilà le résultat de Gladiator Léon. Le dessin était plus beau que ma game, mais pour cette dernière partie, on va prendre Lily. C'est un peu de la triche parce qu'elle est même pas rank 15, mais j'ai trop envie de la jouer. Donc c'est parti, on lance la game. Pour tous ceux qui n'ont pas liké la vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, ça me ferait super plaisir. Et à me dire si vous aimez ce genre de concept, j'en referai. Non? Vous savez quoi, je peux le finir là. Hop. Premier kill, et on se met super bien en caisse, on est déjà à 5. C'est aberrant comment ce brawler est cheaté. On va aller tuer le Gus, voilà. La Bibi, tac. En fait là tu les enchaînes, c'est littéralement moi le boss de la game. Après je suis rang 15, donc ça peut jouer aussi. Franchement ça peut jouer. Non, mais c'est des bots. C'est des bots, c'est pas possible. Pourquoi tu t'arrêtes pas quand tu vois un gars à 9 qui te fonce dessus? Mais de toute façon, je sais que c'est des bots à ce niveau. Tac. Non, elle était pas là. C'était pas nécessaire. Bon, on va se rattraper, on la tue. J'ai quand même envie d'utiliser mon gadget juste pour dire que je l'ai utilisé. Donc, hop, ça va se déplacer un petit peu au mid. Mais il est où, les gars? On a les respawns. Hein. Voilà! Bon, c'est quoi? On va l'attendre. Hop, je te tue ta mère. Top, hein, je suis trop fort. C'est le joueur Brawl Star que je pensais être. J'espère que vous avez aimé, les gars. Dites-moi si vous voulez un épisode 2 dans les commentaires. C'était super cool, en tout cas, de voir ce qu'on pouvait faire niveau dessin, Brawl Star et création, tout simplement. Donc, j'ai kiffé. J'espère que vous aussi. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Passez une bonne fin de journée, les gars.